Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Nous sommes toujours à Abidjan. Voilà, pour ceux qui souhaitent des consultations privées, voilà. Et donc, avant de débarquer sur San Pedro, voilà. Donc, ce matin, nous allons parler de Shiba Eternity. Voilà, déjà, ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous avons présenté déjà le jeu ici. Bon, certains même ont commencé à jouer au jeu, mais j'avoue que le jeu n'est pas facile. Voilà, il y a beaucoup de technicité à connaître d'abord. Alors, nous avons demandé à ce que le responsable de Shiba, qui est le développeur Shitoshi Kusama, voilà, de faire au moins un guide pour aider la communauté à jouer ce jeu. Déjà, plus de 250 000 fois, ce jeu a été téléchargé sur Android. Voilà. Et voilà, pour ceux aussi qui ont des iPhone aussi, ont téléchargé ce jeu. Voilà. Donc, selon les informations, alors, le guide est disponible. Vous pouvez aller le télécharger. Voilà. Il fait 1150 pages. Voilà, divisé en quatre versions. Voilà. Parce que comme c'est long, ils ont divisé ça en quatre parties. Voilà. Donc, les testeurs, voilà, et William Volk, qui est le concepteur du jeu, voilà, ont aussi enregistré au moins 100 bugs dans le jeu. Alors, ces 100 bugs-là ont été mis à jour aussi. Donc, vous qui allez jouer au jeu aussi, vous si constatez aussi un bug, alors vous pouvez aller sur le Twitter du développeur principal, qui est Shitoshi Kusama, et signaler cela. Voilà. Alors, le jeu est disponible seulement sur Fandom. Fandom, c'est quoi? C'est une plateforme de jeu. En fait, une plateforme de fans de jeu. C'est-à-dire qu'ils vont pour mettre leur passion, expliquer les différents jeux sur lesquels ils jouent. Alors, c'est sur cette plateforme pour le moment que voilà, les pages là sont disponibles. Et donc, sur cette plateforme, mais déjà, il y a la plateforme même du jeu qui est en construction, qu'on appelle Shiba Eternity.game. Alors, qui est en phase de construction, quand ça va terminer, alors les 1150 pages, voilà, divisées en 4, seront disponibles là-bas. Il faut dire aussi que Shitoshi Kusama a fait, selon lui, un autre travail qui est encore titanesque. Quel est ce travail? C'est qu'il a, au lieu de simplement traduire directement le jeu, il a fait le jeu comme si c'était une histoire. Comment? C'est-à-dire, comme si c'est un novice qui vient de rentrer dans le Shiba, alors qu'il va aller chercher à découvrir le jeu. Alors, c'est son univers qu'il explique avec des passages d'images inédits. Ces images-là même sont à vendre sur OpenSea. C'est devenu même des NFT. Alors, ces NFT ont été fabriqués spécialement avec l'intelligence artificielle. Donc, nous avons actuellement 385 photos. Et voilà, travaillées spécialement avec l'intelligence artificielle. Les prix varient entre 1 $ et 1 000 $. Voilà les informations. Voilà, c'est disponible sur OpenSea. Je vais vous laisser les liens en description ici. Voilà, alors actuellement, Shitoshi Kusama se concentre sur quoi? Sur la version blockchain du jeu et sur la sortie prochaine de Shibarium. Donc, voilà les informations que nous pouvions vous donner sur le jeu Eternity. À l'heure de cette vidéo, le Shiba lui-même se trouve autour de 4-0 après la virgule 12 avec un market cap de 7 milliards de dollars. Et un volume d'échange de 399 millions de dollars en cette période où le Bitcoin est en train de faire une remontée. Voilà les informations sur l'actualité des crypto-monnaies, spécifiquement sur le Shiba, qui est une valeur sûre, qui fait tout pour avoir des fondamentaux. Et c'est grâce à ces fondamentaux que le Shiba a atteint ses objectifs. Voilà ce que vous devez comprendre à travers ceci. Dans une période de baisse, alors tout le monde panique sur le marché, c'est sur quoi on doit investir, où est-ce qu'on doit se diriger. Alors, ne paniquez pas si vous avez du Shiba, vous n'avez pas à le vendre. Vous devez au contraire chercher à cumuler davantage parce que c'est une valeur sûre qui met en place ce qu'on appelle les sous-bassements. Alors, ces sous-bassements-là vont permettre au Shiba d'atteindre ses objectifs.
Alors, quand on va rentrer dans cette période de montée des crypto-monnaies, alors vous allez constater vraiment que ces soubassements qui ont été mis en place vont commencer à aider le Shiba à construire maintenant ses immeubles. Voilà de quoi nous sommes en train de parler. Pour paraphraser, vous faire une métaphore. Donc, vous devez comprendre que c'est une valeur sûre. Voilà ce qu'on avait voulu vous partager sur cette vidéo flash. On vous dit que le guide est disponible, alors vous pouvez aller le télécharger pour interagir avec le jeu. Voilà, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo. Et sur cette vidéo, rentrez en contact pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Quel que soit ce que nous faisons, quelles que soient les crypto-monnaies que nous faisons, il faut sécuriser ses acquis. Et dans cette période de baisse, il faut avoir les pépites sur lesquelles il faut mettre de l'argent. Et en période de montée, alors vous allez profiter de ces pépites. Alors c'est tout ça que nous donnons au cours de cette formation. Alors ceux qui viennent se former, profitent de toutes ces informations. La formation prochaine au niveau d'Abidjan, la 5e édition, alors nous envisageons cela autour de janvier-février. Alors les dates précises vous seront données. Rentrez directement en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. Au niveau de San Pedro, c'est prévu pour le 17 et le 18 novembre prochain. Rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Tébi Joseph et le leader Sengo pour vos différentes inscriptions. La formation de Mans, enfin, nous avons aussi une date. C'est prévu le 17 et le 18 décembre prochain à Mans. Rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Niawa pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau d'Abengourou, c'est au niveau du leader qu'on appelle Yapi que vous devez interagir pour les différentes inscriptions au niveau de cette zone. La formation au niveau de Ouagadougou, alors rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Dieudonné pour les différentes inscriptions à l'international. La formation au niveau de la zone, on va dire de la RDC, rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Faustin pour les différentes inscriptions. Au niveau du Togo, c'est avec le grand leader qu'on appelle Abraham que vous devez interagir. Au Sénégal, alors vous allez interagir directement avec le leader qu'on appelle Mahama pour les différentes inscriptions. Voilà, quand nous revenons aussi en Côte d'Ivoire, n'oubliez pas aussi la zone de Daoukro où vous devez rentrer en contact avec le leader qu'on appelle Yaya pour les différentes inscriptions. Au niveau d'Azopé, alors ça c'est avec le grand leader qu'on appelle aussi Yves le Prince que vous devez interagir. Voilà, tous les représentants ont été nommés. Ceux qui n'ont pas entendu le nom, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Et sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.